Un véritable mystère dans le nord-est de l'Angleterre. Une éolienne a été fortement endommagée sans cause apparente. Pour les habitants, cela ne fait aucun doute. L'appareil a été heurté par un ovni. Frédéric Sacré. Lorsque tout semble si paisible, si régulier, c'est une vision qui fait désordre. Une pâle tordue, l'autre arrachée. À 95 mètres du sol, au beau milieu de ce parc, qui compte au total une dizaine d'éoliennes, la compagnie d'électricité verte britannique n'a aucune idée de ce qui a pu se produire. Un indice peut-être, le témoignage d'une habitante de la région. Tout à coup, j'ai vu une lumière apparaître juste en face de nous. Et elle a filé à toute vitesse vers les éoliennes. On était deux, trois dans la voiture et j'ai dit aux autres « Eh, c'était quoi ça ?» Mais ils n'avaient rien vu, alors on n'en a plus parlé. L'inspection du site n'aurait pas révélé d'éléments laissant penser à une collision. Mais pour certains, aucun doute, c'est bien là, l'œuvre d'un ovni. Sans le moindre doute, puisque ovni signifie objet volant non identifié. Maintenant, de là à y voir un vaisseau extraterrestre, non, ce n'est évidemment pas ça. Ouverte cette semaine, une enquête très sérieuse permettra peut-être de résoudre le mystère et qui sait d'établir qu'on a fait toute une histoire avec du vent.